Et boum, salut les potes, salfouille, j'espère que vous allez bien pour cette nouvelle aventure horrifique en compagnie de B-Boy. Enfin, c'est moi qui suis en compagnie de lui, et bon, on est en compagnie, quoi. On se retrouve un peu plus d'un an après le premier opus, où on avait bien rigolé, on avait bien eu peur, on s'était foutu sur la gueule. Et là, on va tester Little Hope, et mettez-vous dans le noir, installez-vous. Je rejoins Quentin, voilà, qui est fait, j'ai accepté l'invitation. Et on peut directement passer à cette nouvelle aventure. Merci de vous être arrêté. De rien. Un souci? Il y a un problème plus loin. Un grave accident. On a dû fermer la route. Ça va. Tout le trafic est dévié vers Little Hope. Est-ce que ça va? Vous avez l'air un peu perdu. Ouais, ça va. Il faut juste que je conduise ces gens là où ils vont. Mais un petit détour ne devrait pas trop les déranger. Prenez la route est. Vous traversez Little Hope. Ça ne sera pas beaucoup plus long. Arrêtez de faire des trucs, il va se désintégrer. Vous êtes sobre depuis combien de temps? Un petit peu moins de 3 mois. C'est bien. Il paraît que les premiers mois sont les plus durs et risqués. Je sais que c'est ridicule, mais ça m'aide énormément de m'accrocher à ce jeton. Hey, c'est pas par là? Ça va, c'est juste un crochet. Non, ça ne va pas. Du calme, tout ira bien. Pitié, John, vous pouvez arrêter de me faire la leçon. Vous pouvez faire moins de bruit. Bon, bah le détour, il commence mal. Arrête, James!
Tu sais très bien que ça m'énerve quand tu me prends pas au sérieux. Je te prends au sérieux, chérie. C'est juste que j'ai passé une sale journée. Ça t'étonne qu'ils se disputent encore? Pas moi. Tu as bu, comme d'habitude. J'ai juste regardé le match avec les collègues, c'est tout. Mais bien sûr, je vais te croire. Il paraît que certains pourraient perdre leur job à l'usine. Ça fait des années que tu dis ça. Je m'inquiète plutôt pour Meghan. Qu'est-ce qu'elle a, Meghan? Je vois pas où est le problème. Après 10 bières, on ne voit plus les problèmes. Le révérend Carson l'a encore gardée après la prière. C'est la 4e fois. Elle va mal, c'est sérieux, James. Tu t'inquiètes pour rien avec cette gosse. J'ai pas le temps de m'occuper de ça. Comme d'habitude. Tu ne t'occupes jamais de rien. Quand est-ce que tu auras le temps? Tu te fais une montagne de 3 fois rien. T'es en train de te rendre malade sans raison. 3 fois rien? Ça va mal finir, ça. M'occuper seule de tous les problèmes de la famille, j'appelle pas ça 3 fois rien, moi. Un coup de main ferait pas de mal. Peut-être que si on avait eu des enfants à nous, on n'en serait pas là aujourd'hui. Ça, c'est vraiment un coup bas. Tu vois pas à quel point c'est dur pour moi. T'es pas la seule à être sous pression. La situation à l'usine est sérieuse, Anne. Très sérieuse. Pas maintenant. Pas ce soir. C'est bon. Ah, B-Boy et Anthony. Ok, moi je suis Tania. C'était très sympa. Et ta voiture est confortable. Tout le plaisir était pour moi. T'es marrant. Moi ? Ok. Oula, qui nous regarde à la fenêtre là ? Faut que je me tire d'ici. Loin de ma merveilleuse famille. Genre tout de suite. Allez, ne sois pas si dur. Tu vis pas avec. On se voit demain. On va faire une petite blague. Faut que je vérifie dans mon agenda si j'ai de la place. Les filles comme moi sont prisées. Je me doute. Je passe vers 8h demain. Un peu d'humour, ça fait pas de mal, on rigole. Si personne répare cette porte, la prochaine fois, je passe par la fenêtre. Ça va? Ne dis rien. Il a encore picolé. Ils ont commencé à s'engueuler dès que papa est rentré. Bah, c'est toujours. J'ai entendu ça tellement de fois, il pourrait changer de disque. Toujours la même histoire qui se répète. Ça irait peut-être mieux si tu t'impliquais un peu. Tu vois, ça y est, ça te demande pour une fois. Qu'est-ce qui t'étonne? Il n'y a rien de nouveau. Ils s'engueulaient déjà quand on portait des couches. Enfin, quand tu portais des couches. J'étais en avance. Denis, pour la 36e fois, tu peux aller ranger ton bazar dans le grenier. Un peu de respect. C'est une collection rare et extrêmement recherchée. Elle a dû être militaire dans une autre vie. Ils sont combien là-dedans? Qu'est-ce qui lui arrive? C'est Denis dans toute sa splendeur. Fidèle à lui-même. Comme d'habitude. J'aime pas trop les grenets, hein, je vous l'admets. Hé, hey, Denis! Pas maintenant, j'ai pas le temps. Ok. Hey, arrête de faire la folle. Ok. Très bizarre. Oh. Ah ouais. Ah, pas de qui, la gars, je vous l'ai dit, putain. Seigneur, tu m'as fait peur, mon ange. Bah, moi aussi. Je vous ai entendu parler de moi.
Pas maintenant, Megan. J'aimerais prendre un bain, tranquillement. Et oublier un instant tous ces problèmes. Peut-être en parler aux parents. C'est pas une bonne idée que je me mêle de ça. Tu me connais, je ferais qu'aggraver les choses. Ça avait l'air plus grave que leur connerie habituelle. Ils étaient en train de parler de Megan. Elle a fait un truc grave. J'ai rien. Y a quelqu'un ? Megan est une gamine difficile qui cause tout le temps des problèmes. Papa et maman sont déjà au courant. Ok, mais Megan les a entendus parler d'elle. Ça semblait vraiment la perturber. Perturbée, c'est un état permanent chez elle. Où est notre petite princesse, d'ailleurs? Bibou, il fait un choix. Megan est à l'étage. Tu pourrais aller lui parler, si t'as rien de mieux à faire. Je vais la voir. Allez, je vais lui parler. Alors, là, ok. Phase de jeu. Parler à Megan. Ok. On va aller là. Ok, là, c'est fermé. Megan. Bon, Megan n'est pas là. Maman? T'es là? Ok. Denis? T'es toujours là-haut? Qu'est-ce qu'il y a? Je veux juste savoir comment va mon frère adoré. Pas super. Cette débile de Bigfoot a piétiné tous mes disques. C'est ta petite sœur. En plus, on dirait qu'elle a de meilleurs goûts en musique que toi. Ok. Petite tonte. Alors... là-dedans, il y a quoi? Bonjour. Ah. Bon, ça, j'imagine que... voilà, ça, c'est la chambre d'un mec. Ok. Là, il y a une porte. Attends, il y a une figurine, là. C'est quoi? Vas-y, prends. J'ai jamais compris sa fascination pour ces trucs. Ok. Super. Impeccable, bien. Il n'y a rien marqué en dessous? Non, on repose. Personne ne fait attention à moi. Ah, je l'ai entendu. Je l'ai entendu. Ah ouais, mais les gars, si vous fermez toutes vos portes, on va jamais s'en sortir. Hein. Megan, t'es où? Megan? Ah, elle est peut-être là. Megan? Hop, 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 pas trop vite. Qu'est-ce que c'est que c'est que c'est que c'est que ça? Un journal intime peut-être? Ok, bon. Qui va mourir pour avoir mis son petit nez de fouine dans mon journal intime? Oh non, bah ouais, mais c'est ma... ok. Il avait un resto aujourd'hui, j'ai remplacé. D'accord, donc ça c'est mon journal intime. Donc nous sommes dans ma chambre. Et quelqu'un a lu mon journal. Ça, c'est pas cool. Parce que comme son nom l'indique, c'est un journal intime, c'est un journal intime. Megan! J'ai des bonbons! Bon, c'est très bizarre ce que je dis. On va aller voir de l'autre côté. Non, y a rien. Bon, on recommence. Hein. Ah! Ils s'en fichent. Ok. Je ne les intéresse pas. Oh, c'est pas vrai, cette horloge va me rendre dingue. Pour eux, je suis invisible. Ce n'est pas bien du tout. Je ne veux pas faire ça. Ouais, ok.
Bonsoir, Megan. Non, tout est toujours de ma faute. C'est pas juste. Eh, Megan, ça va? Je n'écoute pas. Eh, mais à qui tu parles? À une personne qui, elle, s'intéresse à moi. Ah ouais, faut aller chez le dentiste, là, c'est chaud, hein. Mais de quoi tu parles? Oh, mais ouais. C'était quoi? T'as ça, vu c'est ça? C'est un corbeau, ça, je m'y connais. Pour rappel, il est 1h10 du matin et j'ai peur. Je rêve. Megan. Megan, fais pas le con. Hey, Megan! Anthony, t'es là? T'es où, Bibouille? Anthony, qu'est-ce que tu fabriques? Anthony, c'est pas vrai, t'es où? Anthony, ça me fait vraiment pas rire. Bibouille, t'es là? Ah. Anthony, je te jure que tu ne me réponds pas. T'as raison à propos de ma famille. Je le pense aussi. Quoi? Tania? Oh non, non, qu'est-ce non, qu'est-ce qui se passe? Cette petite peste m'a enfermée. Je suis en train de geler, moi. Je viens t'ouvrir, doucement avec Megan. J'arrive. Bah oui, le feu, ça brûle, hein. Merde! Megan! Ouvre-moi! La cuisine est en feu! C'est pas vrai, tu déconnes! Ah, Megan, elle s'est barrée, hein. Maman? Vous êtes tous passés! Anthony! À l'aide! C'est dans le grenier! Laissez par le balcon! Anthony, à l'aide! Mais sautez, je sais pas, faites quelque chose! Hé! Hey, bon, lui, il est cuit, hein. Enfin. Le père est mort, la mère est mort. Ah! Ok. Ah, la gamine est morte, Anthony, apparemment. À l'aide! Qu'est-ce que je dois faire? Il fait un choix, il doit être sous pression, Bibouille, là. Attrape la gouttière et essaie de descendre! Oh putain, ça va être à moi de jouer. Allez. Allez, la gouttière, on y croit, hein.
J'ai pas l'air très épaisse. Allez. Tu peux le faire? Ah! Bon, bah je suis mort. Deux. Bah ouais, Anthony. Merci du conseil. Bon, il reste le frère en haut. Hop, 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 hop. Ah ! Ok. Bon, ça c'est de l'acupuncture, je connais bien. Qu'est-ce que tu as fait? Non, stop! C'est trop tard! Waouh! Bon bah, rip, hein. Ouais, le boss, il arrive. Bonjour. Et enchanté. Je ne crois pas que nous nous connaissions. Je me trompe? Peu importe. Bienvenue dans ma collection. Je suis le conservateur, le gardien de toutes ces merveilleuses histoires. J'ai là un récit très spécial à vous faire narrer. Déconcertant, non? Je suis sûr qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter. L'histoire qui nous intéresse n'est pas définitive. C'est encore une esquisse que vos choix participeront à compléter. L'incendie? Non, vous ne pouviez rien faire pour éviter cela. Ce qui est fait, fait. À moins que... Enfin bon, tournons-nous plutôt vers l'avenir. La vie n'est qu'un fantôme errant. Vous êtes sur le point d'entrer dans le plus trouble, le plus dérangeant des mondes,
L'aspect dérangeant dépendra de ce que vous choisirez de croire, et l'aspect trouble du chemin que vous voudrez suivre. Il existe un nombre infini de directions dans lesquelles on peut voyager. Nous disposons rarement des indices nécessaires, mais nous devons néanmoins choisir une voie en espérant obtenir la clarté et le résultat que nous voulions. Voyez-vous, vous allez déterminer l'issue de ce récit ensemble. Ce que chacun fera affectera souvent l'autre. Donc, bien que vous soyez deux personnes, vous compléterez cette histoire comme une seule. Je me fais bien comprendre ? Comme dans la vie, chacun de vos actes comptera. Ils détermineront le dénouement du récit. Vous ne pouvez plus rien faire pour changer le début, mais vous pouvez poursuivre votre périple et influer sur la fin. Vous avez vu le début de l'histoire. Tous ces morts. Combien d'autres suivront repose entièrement sur vous. Tout dépend des décisions que vous prendrez. Que serez-vous, pragmatique, sensible, plutôt la raison ou le cœur? Il n'y a pas de bonne réponse. Parfois, l'un vaut mieux, d'autres fois, c'est l'inverse. Mon conseil, si je puis me permettre, c'est « Sois loyal envers toi-même. » Mais je ne suis ici que pour consigner ce que vous faites, pas pour vous aider. Je ne suis pas censé intervenir, hélas. Pas mon rôle, semble-t-il. Mais je suis, semble-t-il, autorisé à partager la sagesse de grands conteurs d'histoires maintenant disparus, si toutefois je l'estime nécessaire. Oh, une dernière chose avant que vous ne partiez. Vous pourriez trouver dans Little Hope des images qui vous donneront un aperçu d'un futur possible, une chose qui peut éventuellement se produire. D'accord, donc comme dans le premier opus. Servez-vous-en. Elles peuvent vous aider. On vous attend un enterrement. Allez-y, amusez-vous. Je sais apprécier un bel enterrement. Voilà, je pense que ça va être la fin de ce premier épisode, parce que l'air de rien, le temps y passe, les gens y brûlent, et voilà, ça fuse quoi, hein, tout simplement. Donc, on se retrouve pour le deuxième épisode bientôt. En attendant, faites attention avec les allumettes, bien sûr. Je vous dis à très bientôt, des bisous.